marhabibik. Donc, regardez, frishka. Donc, c'est un concept 100% tunisien. C'est un concept de bar à salade. Je m'attends un bar à salade. C'est un concept où vous choisissez votre salade comme vous le souhaitez. La question que vous devriez me poser, c'est comment ça se passe? Ça se passe très simplement en trois étapes. La première, vous choisissez votre base de salade. Vous avez le choix entre quatre sortes de bases. Ça va de la laitue simple à une base mixte avec de la roquette. Ça peut être du borgol, ça peut être du riz, ça peut être des pâtes. Voilà, donc c'est la première étape. Donc, d'ailleurs, donc vous la choisissez. Ah non, on s'occupe de la mettre dans un récipient en inox. Ensuite, vous passez à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est le choix des ingrédients. Comme vous pouvez le constater ici, donc il y a un comptoir avec beaucoup d'ingrédients. Vous choisissez les ingrédients que vous voulez. كان مثلا مغروم بالعشاء انا جينا بورت كوا بالسفنيريا تحب تحط دو دوز نتاع سفنيريا فوز اون ميتي كان ما تحبش كبار ما تحطش كبار دونك سي فريمون بيرسوناليزي معناتها تحط فريمون لي زانغريديون اللي تحب عليهم اي لا تخوازيام ايتاب انفان بور فينير سي لا صوص فوز افي لو شوا انتر 8 سورت دو فينيغريت اي اون ميلانج لو تو فوز افي لا بوسيبيليتي دو مانجي دونك فو ريستوري سور بلاس في الريستوران ميم ولا دامبورتي فوت سالاد افيك فو. Donc c'est un concept qui est assez novateur, c'est un concept qui est dans l'air du temps. On est vraiment dans cette mouvance green, healthy, wellness, etc. C'est 100% frais, c'est ultra frais même parce que ce qu'on va vous servir dans vos salades au final, c'est des ingrédients qui ont été découpés le matin même, juste avant qu'on vous serve. C'est totalement personnalisable, donc tu sais qu'il y a vraiment les trabali hanti. C'est selon le budget, selon ce que tu as dans le budget, le budget alloué pour le déjeuner. Tu as dit que tu as peut-être les francs, mais tu as dit que tu as 12, 14, tu as fait un magroum bel fake, ou bandek, ou pistache, etc. Des choses qui coûtent cher, voilà, des protéines, et ben ça s'additionne et voilà. Donc c'est un concept tunisien qui me contient comme 100%. Et voilà, donc Inch'Allah, Yajib comme concept, Inch'Allah, Yajib, il y a pas mal de gens qui sont arrêtés, les opustantes. On est plutôt contents du ressenti des gens. Les gens découvrent, c'est une première pour eux, ils n'ont pas vraiment l'habitude. Ils ont l'habitude de composer sandwich, qui t'aime, casse-croûte, tu composes. Et là, c'est différent, c'est une salade de repas. Où la plupart du temps, les gens sont surpris, les gens pensent que c'est une entrée. Or, ce n'est pas une entrée, c'est un plat, c'est un vrai plat, c'est une salade de repas, quoi. C'est pas juste une entrée. Enfin, j'en ai sur le lit. Hey, on bad, salade, le plat. Le plat ou entrée ou quoi que ce soit. Après, évidemment, on a des desserts qu'on propose, on a des jus, c'est à spectre large, après, ce qu'on peut proposer. Mais le dénominateur commun, on a réellement, c'est cette fraîcheur et cette green attitude, quoi, tout simplement, voilà.